Si je devais me présenter à quelqu'un, je dirais que je suis un ornitho avant tout. Je suis passionné d'oiseaux depuis 30 ans, mais je suis aussi un papa et j'ai deux enfants pour lesquels j'ai envie de m'intéresser beaucoup à la planète et à l'avenir qu'on va leur laisser. Voilà, moi, c'est mon parcours, c'est avant tout la passion pour les oiseaux et puis petit à petit l'intérêt pour les assos, beaucoup. J'envisage pas de travailler ailleurs que dans une association. Et puis m'occuper d'une asso au sens large, être capable de donner des directions, d'emmener les gens et de faire en sorte que notre asso soit toujours plus forte pour la nature. En tant que directeur territorial, ma mission elle est beaucoup de gestion associative hein, en général. Donc c'est des questions financières, des questions comptables, des questions aussi de gestion de l'équipe, de relations humaines, d'organisation du travail et puis beaucoup aussi de montage de projets, de relations avec nos partenaires. Et puis depuis 2-3 ans, beaucoup ce qui m'occupe c'est la fusion de notre association, faire en sorte qu'on ait une asso régionale et puis gouvernementale qui soit solide et que notre délégation territoriale prenne bien partie de cette association-là. Et puis avoir aussi le projet territorial en ligne de mire toujours, donc aujourd'hui je suis très attentif à ce projet territorial. Capable voilà, d'essayer d'appuyer toute cette dynamique associative d'une certaine manière, ouais, être au service de cette équipe et de faire en sorte que tout le monde puisse travailler correctement pour ce qui est vraiment des salariés, services civiques, stagiaires de l'équipe, et puis aussi la relation avec nos bénévoles pour que nos bénévoles aient tout ce qu'ils ont besoin d'avoir pour travailler aussi et mener leurs actions correctement.